Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve sur ce Let's Play sur Lords of Fallen. Lords of the Fallen. Donc j'étais arrivé à ce vestige, dans le marécage donc. J'ai bougé mes caméras, j'ai mis un peu plus haut pour que vous puissiez voir le switch en fait sur les. Entre la cloche et la clochette. Enfin, la clochette et la. Pardon. Et la lanterne. Eh ben, let's go. Alors, là, je suis dans une nouvelle zone, donc je sais pas trop où aller. On va aller par là. Ok, donc ça, c'est un raccourci. Même beau, hein. Même beau, ce jeu. Comme diraient mes amis, c'est un jeu marron. C'est un jeu où t'as pas de couleur, tu vois. C'est ce genre de jeu marron, quoi. Ma vue elle est pas inversée, ça je galère, il y a une mise à jour on dirait, et ça reset commande. Ah ouais. Voilà. Là j'ai galéré là. Ah voilà. Bon, là c'est vraiment du petit mob, hein, tranquille. N'y a pas de dot de poison par contre, on dirait, comme il pouvait y avoir dans Dark Souls. Alors, ah, il repop tout le temps eux en fait, non? Un peu les moustiques de Dark Souls quoi. Regarde. On peut descendre. On peut descendre quand on est dans l'umbral. On va essayer de déjà explorer sans dans le monde normal quoi. Hop. Ah mais ce ciblage de merde! Il n'y a pas de monde là. Ok. Un petit soin. Deuxième. J'ai bouffé une pastille de menthe. Hop. Ouf. Oh là là. Arrête de cibler là. Voilà. Hop. Ok, bon, je suis là. Je suis revenu au raccourci.
Près du truc, j'ai 2400 âmes. Est-ce que je peux passer un niveau? Je crois pas. Je dois être plus près de 3000. Ouais, je peux pas. Bon, là, elle est à 3002 déjà. Je vais me reposer. On va faire repop un peu les ennemis. On va se faire un petit level au passage. Je vais prendre de l'enduit là. J'ai bien enduit. J'ai l'impression que j'ai bien enduit. Une échelle, tiens. On explore où? Ouais, c'est une échelle qu'on fait tomber, ça, non? Ouais. Une échelle qu'on fait tomber. Oh, il saute tout lui, hein? Il était en bas, regardez-le. Oh. Ouais, ça y est, du monde. Hop. Ça fait mal, hein? Ah, je prends le poison là. Ok, il y a du monde là. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller prendre ce niveau quand même. Ou alors je prends de la vie. Vitalité ou endu? Vas-y, je vais faire vitalité, vas-y. Change. Niveau 34. Ah, j'ai pris un niveau sans me reposer. Bon, vas-y, de toute façon, j'ai rien à perdre. Là, j'ai 386 vigueur. Donc, bah, allons-y. Hop. Je vais sûrement crever, mais c'est pas grave. Vous allez voir ce qui se trame là-bas. Ah, il manque un peu de puissance pour pouvoir les tuer en deux coups, ceux-là, tu vois. Il reste un tout petit peu de vie. Ouais, j'augmente mes damage. Ah ouais, lui, il est perché, quoi. Ah, tu vois, là, c'est pareil, il manque un tout petit peu de power. Voilà, pour moi, ça, c'est un truc à aller dans l'umbral, non? Ouais, classique. Avec ta de l'eau, tu peux aller là, en fait, on dirait. Ah, il y a un truc de... You, how about some help? The sorcerer I was traveling with said the trinket was actually some kind. Said it would toughen my skin if I let him reinforce. As you can see, stoop. But he was a stoop and a mercenary's gut. Wilmot wanted protection, for he thought there was powerful, but the coward ran off when they couldn't take my head in the tree now. So, looks like my blade's for hire. Okay. Get this damn thing off me, and I'll be. And who doesn't appreciate having? Get this damn thing. Who doesn't appreciate? Get this. And who doesn't appreciate? Il y a un loot derrière là. Moi, je le loot. Ah. Bon bah, désolé. J'ai récupéré le loot, c'est quoi? C'est un collier? Non. C'est un catalyseur. Ah, c'est un catalyseur aussi. Ah ouais. C'est un catalyseur.
Ah, il est plus puissant. Ah, ça va. Ah, ça augmente mes sorts en plus une case. Putain, trop bien. Excellent. Ah, donc, je vais faire plus mal avec mes sorts, quoi. Ils vont mieux me soigner, mes sorts de soins et tout. Ah, ça, c'est cool. On va remettre mon enchante. On va continuer à fouiller en étant pas dans l'umbral là. Ah là là, on va pas tester notre catalyseur. Ah 94. Ah je tiens 4 coups du coup. Ouais c'est mieux. Là ça sert à rien, faut aller dans l'umbral de toute façon, on peut pas y aller sinon. Là c'est pareil. Là on a déjà fouillé. Bon bah écoute, on va passer dans l'embras là. On va aller voir par là ce qui se trame. On va voir par là ce qui se trame. Il y a un loot, une hache. Ouah, tout tourne à un rip-hop là, on dirait. Oh. Dans les bras, ça fait quand même des souls. Hein. Tu chopes des âmes hyper facilement, j'ai l'impression. Il y a plus de mobs quoi. Il y a le multiplicateur là. Hop. Un petit objet ici. Un fouisseur de l'umbral. Mmh. Quoi ici? On peut planter une graine là non? Ouais, ça clignote. Ouais, je pourrais planter une graine, mais j'ai. Je vais réfléchir à deux fois avant de planter mes graines maintenant. Mince. Ok, m'a buté. On a des trucs à explorer par là. Hein. On va aller par là. On va essayer d'aller par là. Ça a l'air intéressant comme zone en tout cas. Il y a des choses à faire. Il m'attend lui. Il est déter. La portée. Pas tombé, je voulais tomber.
Ah. Il me faudrait de l'endu quand même. Je regrette de ne pas avoir pris de l'endu. Prochain rep, je prends de l'endu parce que je pense que je peux avoir un coup en plus peut-être. Pour enchaîner les petits mobs là. Allez, mon gars. Voilà. Je t'ai monté par là tout à l'heure. J'avais pris non. Oh putain. J'ai absorbé, hop, je me soigne. Alors c'est parti dans ce marécage. Je suis mort par là, il me semble. C'était ici que j'étais mort tout à l'heure. Oh, c'est lui qui a mes souls. On remet mes souls. Voilà. Bon là je les massacre bien quand même ceux-là. Il y a un truc à tirer. C'est ça qu'il faut. C'est un loot. Là, lui il va me tomber sur la gueule si quand je vais descendre. Alors je vais l'agresser. Ah, une quintessence sainte, c'est le truc qui améliore les fioles, ça. Si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça, on va retourner au hub. Ah ouais, le truc, je touche pas en fait. Ah! Ouais, je chope des trucs à mana là. Ouf. Voilà, je suis mort, j'ai fait le con. J'ai dû prendre un poison, ouais, j'ai un poison, j'ai pas fait gaffe. Ouais, alors on va essayer de récupérer ses âmes et puis on va se barrer pour aller tenter de. De prendre un level et puis d'aller acheter des trucs à mana là. Il m'attend quoi. Voilà. Meurt par là, non?
suis là, je suis mort là, là en bas là. Je vais rusher mes âmes là. Ah vas-y, je vais me casser, je vais pas jouer au show. Je vais me casser, je vais aller pour faire ce que j'ai dit. Ah bah poison encore, poison, poison, poison. Je fais pas gaffe, pourtant il y a une barre violette en bas quoi. Aïe 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 aïe, dur hein. Bien du coup, allons-y. Mon pote va nous attendre. Salut mon pote, t'es là? Attaque-moi! Voilà. Où sont mes âmes? Ici. Hop. Je fais pas mal d'âmes hein, quand même ici, j'ai fait 7000 en faisant rien quoi. Enfin, je suis mort quand même deux fois mais... Je vais prendre mes deux niveaux tout de suite, puis après on verra pour la suite. Hein. Je prends deux tordus. Hop. Oui, donc ce que je voulais faire c'est aller voir au repos astral. Concernant le truc qu'on avait trouvé là, pour moi c'est le truc qui améliore les fioles, enfin les fioles, les croix là. Poisson mixifié, je sais pas quoi. Ouais. Our holy work continues, lamp bearer. Bah, j'aurais peut-être plus de. Okay, j'ai autant de. J'ai pas une charge en plus, mais je récupère plus de vie quand je les claque quoi. Là, lui, there's a point at which pride and purpose, but if you insist, then I suggest you venture unnaturally frozen and home. They also contain one of the big, and who knows what other Mornstead may be little that the rest of the world, even without the help of those. With men of all, they need someone to unite before they all tear each other apart like dogs. Ah, il me file un truc, clé du fief. You look tired, friend. Me file clé. Que cette clé on peut l'utiliser quelque part. The captain was prepared even though the man already carried. Il y avait une porte, je pense que c'était Il y avait une porte là-bas. Ah, je crois que c'était là-bas. Wow. Trippant ça. Ah ici il y a une porte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça ouvre? Non non, on peut pas y aller là. La clé du fief, bah, écoutez, on trouvera ça plus tard, hein. C'est pas. Forcément important, je pense tout de suite. En tout cas, il m'a fait une clé, le gars. Il m'a dit d'aller dans les bois.
Je vais reparler un petit coup, tiens, au cas où. You look tired, friend. Ok, son dialogue est fini. Eh bien, allons-y, on retourne au marécage. C'était lequel déjà? C'était sa valade, je crois. Ah, c'est qu'une marécage en plus. Forcément. Ils ont amélioré leur temps de chargement là avec le patch. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça charge beaucoup plus vite. Hein. Name's Byron, by the way. Bah écoutez, moi je vais faire une petite pause, je vais me faire un petit café et puis on reprend tout de suite. Reprise, et je m'en suis rendu compte en même temps que je faisais mon café que bah, le set de couleurs était mal réglé sur OBS, donc du coup bah, vous aurez toute la première partie avec des couleurs un peu foireuses. Des couleurs beaucoup plus chaudes en fait. Le jeu il est comme ça en vrai. Voilà. Du coup, j'ai fait quoi là? Je reviens de TP, ouais, je me rappelle plus. Ouais, bah écoute, on va remettre. Ah non, il y a lui là. Oh, pas content! Ah, et ça, tu fais bien ça? Voilà. Donc, bah. Exploitons. Ah, mais. Je réfléchis là. Je suis pas mal graissé quand je réfléchis. Toté! Voilà. Ah, tu me tires dessus. Un petit objet là. Beaucoup de mobs hein, quand même. Un peu chiant ça. M'occuper d'eux là. Alors. Voilà, il va m'empoisonner. Je suis empoisonné là ou pas? Non, pas encore. Ces mecs-là, en fait, les pires, parce qu'eux, ils m'empoisonnent. Par contre, on passe dans l'umbral, je pense. Hein. On peut passer par là, tiens. Ah! Non! Ah voilà. Je suis parti pour l'embral. Un mec là, mais je peux pas le. Pas le taper. Ah là, je peux sortir de l'embral là, tiens. Direct. On va faire ça. Ok, cool. Que je me prenne son poison, j'ai. Ok, down. Donc on peut aller par là, disais-je. Sous-sort, on l'a déjà exploré, il me semble. Ce coin-là. Ah ouais, ouais, on l'a déjà exploré. On n'est pas allé par là. Thank you.
Bon, on leur pète bien la gueule quand même, hein. C'est ça que j'aime bien. C'est que vraiment, on leur pète la gueule, quoi. Ça ramasse des petits crânes, là, c'est bien, des petits crânes. On leur pète la gueule. Ah, il y a une porte. Est-ce que ce serait pas la porte... On pouvait pas ouvrir d'un côté, là, tout à l'heure? Non. On peut la casser, par contre. Il y a un mec, là. Il y avait un mec, là, bien sûr. À mon avis, là, faut être dans l'umbral, bien entendu. On tente ou pas? On va peut-être d'abord aller voir ce qu'on peut faire d'autre en restant dans le monde normal. Voilà. Oh, il y a un comme ça. Ah, c'est pas toi que je vise. Ah, de te foutre devant! Il a gâché mon mana, ce con! Oh, il y a tout un truc. Ouais, oh, d'accord. Bon, on va passer dans l'umbral assez rapidement, hein, je pense. Ok. On va quand même y aller. On est baisé. Faut y aller. Quand faut y aller, les gars. Allez, c'est parti. Suicidation umbral. Il y a ces fameux trucs bleus là. Ah, la porte bloquée. Truc bleu, ça remonte là. Là, on voit pas trop. Ah! Là, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Là. Ouais, un truc bleu. Oh. Il est là-bas, je peux pas l'avoir. Donc quoi, c'était ici? Ah, il en reste un, de truc bleu. Là, ça part par là, là. Ça part par ici, on dirait. Ça part par là. Ok, donc il y a ça à faire, on va retourner là, derrière la porte, là. Je profite d'une petite pause pour boire un coup de café, j'allais dire, mais il y a un connard qui vient m'emmerder. Ah, je le tente quand même. Voilà. C'est vraiment des ennemis pour nous faire chier quand ils sont pleins, parce que quand ils sont solo, ils sont vraiment totalement useless. Putain, il y a un volant. Thank you.
Bon. À nous deux. Un anneau. Un autre verdure. La résiste poison, ça peut être bien ça. Bon, pour l'instant, j'en sens pas l'utilité de ouf pour l'instant. Mais à mon avis, il y a moyen que ce soit utile à un moment donné. Ah, j'ai plus mon aura sur mon arme. Ah! J'essaie de remettre l'aura sur arme. Pas de mana. On bouffe un caillou. Bouffe un caillou. Allez, bouffe un caillou, bouffe un caillou. Là. Je contrôle le set de couleurs encore et je sais pas, il y a un truc, c'est pas parfait, c'est un tout petit peu plus rouge. Légèrement, après c'est pas le même écran que j'ai à droite et à gauche aussi. Hein. Peut-être le RGB, enfin le HDR, pardon, qui fait que ça foire. Ah, il y a un mec là. Here you are again. If having your eyes hasn't driven you mad yet, then maybe although you never really get used to it. You just learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it. Ok, là on est arrivé en arrivant de par là, en cassant ça, et là on arrive en cassant ça. On n'a pas vérifié s'il y a quelque chose par ici. Ouais, on peut descendre là. Ah putain, il y a un comme ça. Oh, il y a plein de mecs. Faire le PNJ. On peut planter sa graine ici, hein. Ouais, je crois qu'on peut. Des petites fleurs. Là, je tourne en rond, non? Ouais, je tourne en rond. Là, c'est la... Ok. Donc, le PNJ... Ah ouais, le PNJ, je l'ai pas vu parce que je suis pas passé quand j'étais dans l'umbral, ici. Donc, attends. Refaisons le truc. Si je vais là, je tourne en rond. Si je vais là, je reviens carrément sur mes pas au début de la zone avec le grand pont, ouais. Donc là, je suis rentré par là. Tac, tac, tac. J'étais allé par là. Et là, je viens de par là. Là, il y a le PNJ. Donc, je pourrais descendre à droite ici. Du coup, ça, je l'ai pas fait. Mais alors, du coup, on va avoir de la bagarre à faire avec un grand en l'air, là. Oh non! Un rouge! Ils sont chiants, eux! Oh non, c'est un Reaper rouge, putain! Oh, il me fait trop mal! Ah, je peux pas me soigner! Mon soin, il est interdit! Non, mais arrêtez, là! Hey, il m'embête! Il m'embête! Ouais, ça se fait que j'ai un Reaper rouge là comme ça. Il doit y avoir un événement qui le déclenche. Peut-être c'est parce que je suis en x3 sur la récolte d'âmes et genre. Le jeu il aime pas. Il dit ah là, mon gars, je me rapproche de la sortie hein, pour mourir. Tout simplement. Voilà. Peut-être que c'est ça. C'est quand il reste trop longtemps dans l'umbral, t'as ce Reaper rouge là qui arrive et qui te bute. Ça me paraît logique. Que tu farmes trop d'âmes en fait. Parce qu'en fait le multiplicateur ça peut être vite débile quoi.
À voir. Bah du coup, on a pas mal exploré ce coin-là. On va y retourner. La zone est assez cool en fait. Franchement, ça va quoi. Aïe. J'essaie de tracer un peu. Je peux pas passer par là. Oh, je vais buter mes poursuivants. De toute façon, là il y a l'umbral, il y a un truc pour sortir de l'umbral juste à côté. Donc si je meurs, c'est pas grave. Alors, là, faut... Il y a du monde là par contre. Poison. Ah, j'ai pris cher, hein. Ah, je vais sortir de l'umbral là-bas. Qui me fait chier depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, moi j'étais allé par là. Là on avait le. Ah, mais là faut être dans l'umbral aussi. En fait, quand j'étais passé par là et que j'étais redescendu en dessous, je crois que je revenais là. Je revenais là et je revenais par ici en fait. Donc je suis pas sûr que ce soit le bon chemin du coup. Et voilà, poison. Ok. Soin. Mana. C'est quoi mon vendeur de trucs à mana? Il est plus là par contre. Faut peut-être que je les gère un peu mes trucs de mana parce que je suis un peu nappe. Ah, donc là, ça je l'ai fait. Oui, donc ce qui nous manquait. Ah, ok. On rappelle juste arrivé. Ce qui nous manquait, c'est de gérer le deuxième truc pour ouvrir le passage. Oui, on va quand même le buter parce qu'il va me faire chier. Bon, on en fait 4. 4, ça le tue. Voilà. Et là, tu vois, il y a une planche. On est d'accord. Et une planche, ça veut dire qu'on peut venir de par là et débloquer un raccourci. Va falloir qu'on pense à passer dans l'umbral. On va faire. Voilà. On va se jeter dans l'eau. Donc ça, on va passer dans l'umbral. Et par là, on n'y est pas allé, par là, non? Et voilà, c'est par là qu'il faut aller.
Ah ouais, là par contre, j'ai merdé. J'ai perdu pas mal de vie. Oh. Ok, on va absorber... Putain, j'ai déjà 9000 âmes, quoi. Je fais trop d'âmes ici, c'est un truc de fou. Ok, donc c'est bien par là. Waouh. Ouais, c'est bien par là qu'il faut aller. Faudrait que je débloque le raccourci, ce serait cool. Ah! Ah, je le pourrine ou quoi? C'est un truc de fou, quoi. Un marteau, j'aime trop jouer au marteau. Ah, les gros coups de marteau dans l'œil! C'est bon, ça! Ah, l'autre là, il veut nous empoisonner, le clébard, là. La tête de Kleps. Ça, c'est du clébard, ça. On va tirer ce truc. Un œil, ombralien du boucher pâle. Ok. Ça, faut l'absorber. Voilà. Putain, je suis à 10 000 âmes. Tranquillement, en plus. Oh. On va courir un peu. Pas qu'un truc de mana, je vais repasser en... Je vais me remettre un petit soin déjà. Et je vais remettre mon arme enchantée. Voilà. Et tu vois, là-bas, il y a un loot, mais à mon avis, c'est un piège. On va y aller dedans quand même, parce qu'on est vraiment teubé. Voilà. C'était sûr que c'était un piège. Ça, c'était un petit piège. Hop. 11 000 âmes. 11 000, tranquille. Ça fait 3 levels, ça, quasiment. Enfin, un peu moins. J'ai 3 levels. Ah, là, il y a un truc. Là, il y a un truc, là. Là, il y a un sujet. Ah, il y a un truc à absorber, là. Il y a un sujet, là. Là, il va se passer un truc. Ouais, tu vois. Bon, déjà. Pas dur ces ennemis. À chaque fois que je dis ça, je me fais buter, donc arrêtez de fumer dans la gueule. Il y avait un chien là qui m'a envoyé de la fumée là. En fait, ce qui est chiant, c'est leur, ah, leur capacité à t'empoisonner. Ça, c'est relou. Allez, je claque mon truc à mana. Hein. Donc, on va passer sur un soin d'abord, un enchantement d'armes. Un peu toujours le même, même truc que je fais du coup. Enchantement d'armes. Ah, la bande sonore est assez angoissante. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne envie de se pendre, tout simplement. Hein, on peut sortir de l'umbral, là, tiens, le faire. Ah, j'ai 12 000 âmes, quand même. Ok, on va aller par là parce que je me demande si c'est pas par là qu'on va débloquer le raccourci. Ah bah si, mais je vois en plus. Il y a un mec là, attends, on va le faire avant. Là, comme ça, on débloque le raccourci tout de suite.
la suite du niveau, elle est... Bah, elle est par là en fait. Mais du coup, comme j'ai débloqué le raccourci et que j'ai 12 000 âmes, bah, vous avez bien deviné. Ah, je peux mettre une graine ici. Ouais, en même temps, c'est pas dur d'arriver ici. J'ai pas gâché ma graine. Je vais retourner. Je vais retourner loin en arrière et je vais aller me prendre des levels. C'était par là. Pont de bois, le petit pont de bois, petit pont, petit pont, petit pont de bois. Là, je l'échelle là-bas, l'échelle. Là, j'ai plus l'escalier aujourd'hui, je dis l'échelle, c'est bien. Progresser. Je suis level 3 en mot français. J'ai passé un level cette nuit. Hop là! Et on va aller prendre du level. Donc, améliorer personnage, qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Je veux faire un peu plus mal. Je vais augmenter un peu ma radiance. Et puis, je veux augmenter un peu ma vie, tiens. Ou alors ma force. Ouais. On fait ça. Faut au feeling. J'ai pas vraiment de plan en tête, je connais pas trop les armes et tout, donc j'ai vraiment ce feeling. Hop, on y retourne. Alors, hop. Ouais, en plus, la radiance, ça augmente le mana, donc ça, c'est bien aussi. Allez, mais du coup, je me suis pas reposé. Ouais, je vais me reposer. Hein. Je vais me reposer parce que ça va me permettre d'avoir les 4. Les 4 rois là. On va retourner où on était. On va aller là au rechamp. On va devoir buter le premier gars là, de toute façon, ça c'est sûr. Ok, là. Ah là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait deux fois le sort. Ils vont finir mal. Ils attendaient pas cette fois. Hop. Voilà, on va buter ce qu'on peut sur la route. Hein. On n'est pas des bêtes. Hein. On va pas tout buter. Hein. Voilà, allez, je vais crever. Voilà, nickel. Je suis empoisonné. Voilà, c'est parfait. Non, mais ça, c'est bien, ça. Voilà, hop, on a dit qu'on rushait. On a dit qu'on rushait, les gars. Là, je vais sortir de l'ombral. Hop là. Voilà, merci. Toujours full life du coup. Il va falloir que je rentre dans l'umbral de toute façon après. Hein. Mais là, ça me permet d'avoir moins d'ennemis. Je rush. Il m'a poursuivi ce con. Moi, ce que je veux, c'est pas être... Oh, il y a un loot là-bas. Ah. Hop. Je veux pas claquer de potion. Putain, j'en loot plein des masques comme ça. Stuff de mob. Ah, oh, le ciblage de merde, là. Si on peut me buter, je dois mourir, là. Donc, je m'en fous. Sauf que lui, je veux pas qu'il m'empoisonne. Parce que je l'aime pas, lui. Je l'aime pas, Da Silva. Hop. Voilà. On va passer dans l'umbral. On n'a pas besoin de passer parce qu'on a débloqué le pont, je suis con. Justement tout l'intérêt d'avoir débloqué ce pont. Du coup, je vais enchanter mon arme. Merci. Merci. Donc on était là, on avait ces gars-là, là. Ah ouais. Par contre, là, il faut aller gérer le truc, là. Ah ouais, non. Ouf.
quand même. C'est plus chaud quand t'es pas dans l'umbral parce que tu dois... Non, je pourrais aller dans l'umbral, là, ça changerait rien parce que je crois qu'on peut sortir de l'umbral juste à côté d'ici. Ah, j'avais réussi à sortir de l'umbral ici, il me semble, donc... Donc on va se laisser crever, enfin je me suis pas vraiment laissé crever, mais... Voilà, on peut sortir ici. Ok. Il y a 4000 âmes, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai 4000 vigueur. On va émerger de l'umbral, on va continuer. Tu vois là-haut, il y a un loot. Comment on fait pour y aller? Ça m'intéresse. On va explorer ce petit coin là, charmant. On est arrivé d'ici. Donc on n'est pas allé là, à gauche. On allait à droite pour débloquer le truc. Toi là-bas, t'as un mec. On va essayer de lui balancer des petites boules. Comme ça, si jamais on arrive là-bas, on sera tranquille. Il y a du sang par contre, hein. C'est sanglant ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais bouffer une pastille. Ah, mais beaucoup celle-là. Ouais, alors, je me suis trompé de sort. Oh, putain, quel con quoi. Ouais. Ok, on a un connard là-bas. On a fait un trop. On a fait un trop, c'est gâché, je gâche du mana. Ah, ici, il y a une graine. Là, elle peut être intéressante, la graine. Ça sent le boss là-bas. Ça sent tellement le boss. Allez, vas-y, je mets la graine. Oh, j'en ai deux en plus. Allez, juste pour pas tout refaire. On va mettre la graine, puis je vais aller là-bas. Et voilà. Putain, quelle expérience, quoi. J'étais sûr. Oh oh, ça a l'air gros ça là. Oh. Ah. Quelle est cette... Oh. C'est pas... Ah, ça a du cheval et tout en plus hein. Ah, j'ai plus de mana. Allez, c'est parti mon gars. Où es-tu Jean-Michel? Où es-tu? Oh putain! Quand il est en cheval, je pense qu'on peut pas le toucher, faut juste l'esquive. Ouh! Wow, wow! Hop! Petite roulade. Ok, c'est là qu'on va le taper. Ah,
je recharge un peu ma mandu là. Ça a raté. Ok, il se barre, face cheval. Ah, je l'ai raté l'esquive. Nul. Ah, c'est con ça. Oh, juste quand je fais mon... D'accord, ça c'est quand il sort. Bon. Ah, je suis pas mort. Oh. Il est sparé tout de suite partout. On peut pas les taper. Ah bien sûr, juste quand je mets mon enchant, il se barre. Ah, je touche pas. Je vais me laisser crever. Hein. J'essaie de le battre, mais là, il faut plus qu'il me touche, quoi. Donc là, il m'a mis un... Vous voyez? Il m'a touché, il m'a gelé, en fait. On dirait que c'est du gel. Donc ça m'a réduit ma barre pendue. Ok. Intéressant. Pas extrêmement dur, hein, je pense. Même plutôt ok, je pense, comme fight. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, j'aime bien l'arrêter sur un boss, comme ça on reprend sur le boss la prochaine. Je trouve que c'est pas mal les gars. Je vous dis à bientôt en tout cas sur la chaîne, pour la suite de cette merveilleuse aventure sur Lords of the Fallen, et on reprendra sur ce fight de boss. Allez les gars, ciao, à la prochaine.